Retour de Julie Popo. L'épisode 6. Épisode 6. À bord de Popo. À bord de Popo, cette fois-ci. Qu'on vous accueille à Charron. Charron, ça se situe au nord de La Rochelle, à une petite quinzaine de kilomètres. Et vous voyez, là, nous sommes sur un tout petit port. Sur la Sèvre Niortaise. Sur la Sèvre Niortaise, qui se jette après le dernier coup de là, qui se jette dans l'Atlantique, dans la baie de l'Aiguillon. Donc voilà, un nouveau lieu. On avait envie de vous faire découvrir cet endroit petit peu sauvage. Méconnu, sauvage, puisque comme à Enant, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà expliqué, cette partie ici, là, à notre gauche, c'est vraiment le déversoir du Marais Poitevin, la fin du Marais Poitevin, et l'océan juste derrière nous. Face à l'île de Ré, à peu près. Enfin, on ne la voit pas d'ici, mais ça donne sur face à l'île de Ré, à peu près. Si vous regardez une carte, ça correspond à Lens, la baie de l'Aiguillon. On fait ça avec la Vendée au nord et toute la Charente-Maritime au sud, même si là, ici, nous sommes encore en Charente-Maritime, mais vraiment la partie nord de la Charente-Maritime. Voilà pour le petit point géographie. On espère que ça vous plaît toujours, ces petites balades dans des petits coins un peu tranquilles et qui sortent de la Rochelle que tout le monde connaît. On a plein de choses à vous montrer parce que ça fait 3 mois qu'on a tourné le dernier épisode. Oui, largement 3 mois. Un peu plus que 3 mois. Oui, enfin voilà, les vacances. Et puis on veut pas polluer YouTube de nos vidéos. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'on a, y a la vie aussi. Et puis tourner des podcasts, c'est pas une obligation. C'est juste quand on a assez de choses à montrer, des choses à raconter. Et puis faut qu'on en ait l'envie. C'est pas. Alors, assez de choses à montrer, je pense que Chantal a assez de choses à montrer. L'été a été productif. Voilà, c'est quand même une tricoteuse hyper rapide. Non, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient commencées avant le dernier podcast et que j'ai fini du coup et qui étaient bien avancées. Alors, il y a quelques visiteurs autour de nous, hein, comme d'habitude. Nous sommes sur des lieux publics. Il fait très chaud en ce moment, donc les fenêtres et les portes sont ouvertes. Donc, vous allez entendre les gens qui passent à côté, qui là. Sont juste tout près de nous. Ça fait partie du charme. Ils doivent se demander c'est quoi ces deux filles là, qui papotent dans un camion. Voilà. On espère qu'ils ne vont pas frapper au carreau en demandant si tout va bien. Alors, je vais commencer tout de suite. Moi, j'ai tricoté plein de chaussettes. Donc, oui, on commence par les projets finis, pardon, comme d'habitude. Et je vais les passer assez rapidement parce qu'autrement, vous allez éteindre votre ordinateur avant la fin de l'épisode. Alors, je commence avec les Will O' the Wisp. Du coup, elles sont très foncées. Je ne sais pas du tout si on va voir quelque chose. Si on ne les voit pas mieux. Bon, bah, tant pis. On ne les voit pas. Et ce sont des. Alors, vous me croyez sur parole. C'est le modèle Will O' the Wisp qui est gratuit sur Ravelry et qui est de This Handmade Life. Et c'est un modèle très agréable à tricoter, que j'ai tricoté avec la laine Lang Yavol, que... Non. Si. J'ai un trou, je pense que c'est ça. Que m'a offert Cookie la Guerrière, que j'avais gagné lors du cal Vive le vent d'hiver de l'année dernière. Et donc c'est une très très jolie laine, alors, je ne sais pas du tout si vous vous rendez compte. Mais elle est prune. Elle est prune violine et elle est très agréable à tricoter, elle est très très douce et voilà. Donc un modèle très agréable à tricoter aussi avec une dentelle. excusez-moi. Une dentelle sur le devant. C'est sombre. Là, voilà. Ah, ça y est. Voilà, une jolie dentelle sur tout le devant du pied. Là, vous voyez bien. Et qui se répète et qui est très facile à tricoter, que voilà. Rien à dire. Enfin, rien à reprocher plutôt, plein de choses à dire, faites-le. Surtout que c'est le cas, le Crazy Socks de Cookie la Guerrière, toujours elle. Ouais, qui court toujours. Qui dure sur toute l'année. Je crois qu'on peut s'inscrire toujours, il n'y a pas de date d'inscription maximum.
Il faut juste tricoter 5, enfin, au moins 4 paires de chaussettes dans l'année. Donc là, il reste quand même 4 mois pour 3 mois et demi pour finir l'année. Et à partir de 5, on participe à un tirage au sort pour un cadeau. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, Cookie la Guerrière est une particulière qui a zéro sponsor, qui organise plein de cales, tous plus sympas les uns que les autres. Donc cette année, je participe à deux, celui sur les chaussettes Crazy Socks et Vive le vent d'hiver, qu'elle recommence, et dont je vous parlerai tout à l'heure. Et elle offre très généreusement des cadeaux qu'elle achète elle-même, qui ne lui sont pas offertes. Et quelqu'un lui a reproché que ses cadeaux étaient trop modestes. Donc, ben, c'est pas cool. Voilà, merci Leïla, ça s'appelle Leïla, parce que pour ta générosité, pour ton inventivité, pour tes cales tous plus sympas les uns que les autres. Le temps qu'elle y passe, l'énergie qu'elle y laisse aussi. Tout le temps qu'elle y passe, et on sait que tu travailles aussi, et que c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde est, voilà, et que c'est s'occuper de cales, comme, autant de cales comme ça, c'est déjà très généreux, donc je tenais à te remercier particulièrement. Donc en plus, j'avais gagné cette magnifique laine, et que j'ai voulu utiliser, donc... Vous allez voir après que je l'ai utilisée jusqu'au bout. La deuxième paire de chaussettes que je vais vous montrer, ce sont celles-ci. Ce sont les chaussettes orchidées de Marie-Christine Lévesque. C'est tricot MCL, tricot design MCL sur Ravelry. Alors, qui est absolument une dentelle magnifique. Ouais. Qui avait à la base un petit haut qui était en picot. Mais moi, j'aimais pas le, j'aime bien sentir les côtes sur ma jambe. Mais c'est très joli avec un picot. Après, ça, c'est très personnel. C'est en double avec des gants de chat. C'est d'accord, ça. Et voilà, donc vraiment, la dentelle est très, très, très sympa. Jolie. Ça s'appelle Orchidée, Marie-Christine Lévesque. Et la laine, c'est une laine qui m'a été offerte encore. Vous allez voir, je vais vous parler dans ce podcast que des cadeaux qui m'ont généreusement été offerts. Et je suis vraiment très touchée par toute cette amitié tricotesque de personnes que, pour la plupart, je n'ai jamais rencontrées dans la vraie vie. Donc, c'est une laine, les jolies d'Emily, que m'avait offert, devinez qui, Sabrina Choupette, toujours elle. Donc, il y a une très, très jolie laine turquoise avec des spicules violets, voilà, de plein de couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Très belle. Donc, les orchidées. Et on va revenir à la laine de Leïla, parce que comme je voulais finir les échevaux, les emmener jusqu'au bout, eh bien, elles s'accordaient très très bien. Attends, pas, là. Voilà. Elles s'accordaient très très bien, les deux ensemble. Et j'ai fait juste, pour finir les chevaux, les chevaux, et j'ai mis les bords contrastants avec la laine voilà, que m'avait été offerte par Cookie la Guerrière, Leïla. Et il m'en restait encore, donc vous allez le voir après. Maintenant. Je l'ai encore utilisé pour une autre paire de chaussettes. Alors, là, c'est de la laine de chez Lily Neige. J'en vois plus en ce moment sur leur site. C'est T at Bertram's Socks de Ambrose Smith. Et la laine, c'est un mélange mérino, yak et rami. Et la rami, c'est une fibre qui ressemble à de l'ortie, je crois, et qui remplace le nylon. Donc, c'est vraiment des chaussettes voilà, sans nylon. C'est parfait pour la planète. Et les animaux sont très bien traités, hein. Vous connaissez le combat de Lily Neige. Lily Neige, oui. Et la laine est douce. Je l'ai lavée, elle n'a pas feutré du tout. Donc, bon, je les ai lavées à la main quand même. Hein. Je me suis dit quand même, c'est des précieux, mais regarde, elle est... Elle est agréable, elle est douce. Elle est douce, ouais, hein. Ouais. Et voilà. Donc, j'ai encore... là, c'était la toute fin de l'écheveau de Lang. Et oui, c'est bien Lang Yavol, ça me revient maintenant. Et elle avait encore un petit bout. Avant, juste avant celle-ci. Et donc là, cette laine, c'est de la laine de chez Madeleine et Philibert, coloris Tahiti. Et donc là, c'est des chaussettes toutes simples. Et donc, cette fois, il n'y en a plus. Celle-ci, je l'ai complètement finie. Et moi, je trouve ça... J'aime pas les écheveaux... Voilà, c'était le cas pour ça. C'était un écheveau de 50 grammes. Ben moi, avec 50 grammes, voilà ce que je fais. J'aime les chaussettes qui montent quand même un petit peu sur la tige. Elles ne sont pas très hautes, mais... Et 50 grammes, je n'ai pas assez pour faire les bords côtes. Donc, et si on fait du contrastant partout, talons et pointe, il m'en reste un peu, mais pas de quoi faire quoi que ce soit. Donc je préfère avoir des écheveaux de 100 grammes et les filles. Et voilà, avec 100 grammes, je vais vous montrer celle-là après, deux paires, dont une avec des bouts contrastants et j'utilise quasiment tous les chevaux. Il me reste, je ne sais pas, 10 mètres, c'est vraiment rien quoi, 10 mètres, 3 mètres, voilà. Donc là, j'utilise vraiment tout. Et tu montes 64 mailles, toi. 60 mailles. 60 mailles.
Je tricote lâche. Et du coup, la deuxième paire, je divise en deux. Enfin, je pèse au fur et à mesure parce que je ne coupe pas mon écheveau en deux. Hein. Je pèse au fur et à mesure et je vois pour aller le plus loin possible pour utiliser justement l'écheveau, l'optimiser au maximum. Voilà. Donc, voilà. Et la dernière, eh ben, c'est un design personnel. J'ai trouvé le tuto sur Internet, chercher un motif feuille. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un tuto gratuit sur Internet. Vous tapez motif feuille, vous en avez plein. Le tuto de la dentelle. Oui, le tuto de la dentelle. Ouais. Donc, j'ai juste inséré sur un côté et pas sur l'autre. Donc, c'est sur un des côtés. Et la chaussette elle-même, bah, c'est toujours un peu les Hermione Everyday Socks que j'ai un petit peu arrangé à ma sauce pour les faire de mémoire maintenant. Voilà, donc... toutes mes paires de chaussettes dernières. Ce sont deux. Alors, on va faire une petite photo de famille là. Je me permets. Voilà. Là, on en a 6 paires. Ouais. Bah, j'en ai fait un peu plus d'ailleurs, hein, mais je ne faisais pas tout emmener. Parce que... non, les autres, c'est des chaussettes toutes simples. Et voilà, j'ai fait un choix. Mais vraiment encore merci pour tous ces cadeaux de laine, voilà, tous ces échanges qu'on fait, qu'on s'offre les unes les autres. Je trouve ça chouette, quoi. Et quand je les tricote, elles ont encore plus de valeur. Et voilà. Alors moi, c'est pas tout à fait dans le même format ce que je vais vous montrer maintenant. Ouais. Pas tout à fait. De toute façon, je crois que c'est devenu une tradition. Je commence toujours la première chose que je vous montre. C'est une couverture. Alors là, elle est sombre, donc on ne va pas voir grand-chose. Une couverture au crochet. Je découvre, hein. Oui. On n'a pas parlé du tout. Elle a fait sa cachetière. En fait, on a beau habiter assez proche l'une de l'autre, à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre, on ne se voit pas tant que ça. Non. On se croise peu en dehors des événements tricot. Alors, on a des choses à vous raconter. Hein. En dehors des événements tricot, même si on s'écrit, on se raconte plein de trucs, mais finalement, on ne se voit pas tant que ça. Bon, il faut dire aussi que l'été, toi, tu es... mamie. Tu as beaucoup de... voilà, tu es mamie, maman. Tu as beaucoup de visites. Quand on habite à La Rochelle, on a beaucoup de visites. Moi, j'ai aussi une famille, même s'ils sont encore à la maison, les garçons. Donc, du coup... j'ai aussi un mari qui a eu des vacances, donc quand il est là en vacances, c'est des choses en famille. Donc du coup, on n'est pas tout le temps ensemble. C'est comme ça. Et les poils de chat. Surtout l'été. Après, dans l'année, on arrive à se voir plus souvent. En fait. À se voir plus les petits moments de tricot. Il y a toujours le tricot derrière. Hein, ouais. Donc, ce qui fait que tu n'as pas vu cette couverture. Alors, cette couverture en crochet que vous ne voyez pas, puisque c'est... regarde. Là, la couleur est bonne. Donc, c'est gris anthracite. Elle est constituée de 20 carrés en crochet, 10 texturés, mais tous différents, et 10 en granit classique, comme celui que je vous montre là. 10 comme celui-ci, qui viennent s'intercaler entre chaque granit texturé. Donc celui-ci, bon, il est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Celui-ci, il est avec des fausses côtes, c'est-à-dire on ne voit plus le motif. C'est tout au crochet ? Oui, c'est tout au crochet. Tu as fait l'assemblage à l'aiguille ou au crochet ? J'ai fait l'assemblage à l'aiguille. Ah oui, parce que je ne trouvais pas... Ouais. Moi, dans la... Enfin, voilà. Donc voilà, ça c'est un... Et c'est jamais la même texture ? Non, c'est jamais la même texture. Là, par exemple, celui-ci, c'est ce que je vois. C'est des mailles, elles sont croisées, je crois. Des côtes, au crochet. Il y a des nœuds. Ouais, j'ai vu ça là. Ouais, tu les as. C'est ça, hein. Ah ouais. Oui. Voilà. Parce que là, j'étais sur l'envers. Sur l'envers, on les voit pas. Ils sont les miens. Je sais pas comment les appeler. Au crochet, ça se fait aussi. Ouais. Ah, c'est plein de choses, en fait, au crochet. Et là, t'as... Et j'avais envie de montrer. Là, c'est des rangs en relief. Ouais, c'est dans l'autre sens. Ça se fait, mais voilà. Relief. Crochet, on peut faire des choses, c'est magnifique. En relief ou. Et ta laine, c'est. Et la laine, c'est une laine de. Comment ça s'appelle ce magasin ? Mondial Tissu. Ah oui ? C'est. Alors 80-20 ou 60-40, je ne sais plus. Je crois que c'est 80% acrylique et 20% laine. Ouais. Puisque cette couverture est destinée à
Ronan, donc mon grand garçon, qui ne va pas laver la main, qui va pas, donc il faut que ça puisse passer en machine à laver et être facile à laver, à sécher. Donc elle est chaude malgré tout, ouais, parce qu'il y a quand même un pourcentage de lait. Il y a l'épaisseur. Ouais, elle est épaisse, mais assez souple quand même. J'ai utilisé un crochet de 4,5 ou 5, je ne sais plus. Mais je te confirme, l'acrylique, c'est chaud. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est chaud. C'est chaud. Là, c'est que de l'acrylique. C'est très chaud. Voilà. Là, il fallait vraiment que ce soit facile d'entretien. Et voilà. Et puis, une très masculine. Bordure. Ouais. Je ne sais pas si on voit. C'est pareil, il y a de la texture. Avance, il faut cacher la lumière. On pourrait voir. Voilà, la texture sur la bordure. Avec une, j'ai fait une finition écrevisse. Ça fait que ça se tient, ouais, ça joli, se tient ça. Bien c'est sur ce le que bord. Tu avais fait sur la petite couverture jaune, ouais, pour c'est Jean. Ça. Ça se tient bien. Et puis, ça fait une petite fantaisie qui reste quand même relativement sobre. J'ai évité les coquilles. Et elle mesure combien? Elle est grande quand même. Hein. C'est vrai que je n'ai pas mesuré. Écoute, chaque carré fait 20 cm. Et donc, il y en a 4 par 5. Il y en a 20 par 1,20 m. Elle n'est pas carrée. Elle n'est pas carrée. Elle fait 1 mètre par 1 mètre 20 peut-être. Ah, ouais, parce qu'il y a une petite super. Bordure. Mais écoute, 20 cm chaque carré. Ouais. Donc 80, à peine 1 mètre avec la bordure. 5, 1 mètre, à peine. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est super chouette. Ouais, on va dire à peu près 1 mètre. Il doit être content. Hein. 1 mètre par 1 mètre 20. C'est lui qui a choisi le modèle ou tu lui as dit comme ça? C'est un modèle que j'avais envie de faire il y a longtemps, que j'ai fait déjà il y a longtemps. Et je lui ai proposé. Il voulait une couverture, je lui ai proposé plusieurs modèles, je crois. Et puis celui-ci était suffisamment original par ses grands carrés, mais sans être trop. Enfin, quoique lui, il aime bien la fantaisie. Il faudrait que je lui fasse un gilet en granit. Alors bon. Et ça fait des années qu'il réclame son gilet en granit. Et pour le moment. Et tu as utilisé combien de pelotes? Eh bien voilà, je craignais que tu me poses la question parce que je ne m'en souviens plus. Donc je noterai, je n'ai même pas entré dans Ravelry. Un certain nombre, ça va manger quand même, parce qu'elle est épaisse. Hein. Pour les texturer, je crois que c'est pratiquement une pelote par carré. Ouais, c'est ce que ça ne doit pas être loin parce qu'elle elle est bien épaisse. Pour les granits simples, là, non. Ça utilise beaucoup moins, mais la bordure, mine de rien, j'utilise pas mal aussi. Alors j'en ai quoi? J'en ai 12. Ben non, j'en ai forcément plus que ça. Je ne me rappelle pas, je le noterai. Bon. Je retrouverai, je fouinerai dans c'est mes papiers. Très joli. Ouais, tu nous marqueras le nom du modèle. Déjà, je pourrais commencer par poser. Oui. Il est sur Ravelry. Alors, je n'ai plus le nom anglais. C'est Catherine Ng, je crois. ENG. C'est magnifique. Donc c'est écrit en tracé. C'est chouette. Ouais, mais c'est chouette. Ça fait vraiment une couverture jolie. Tu sais, je pense que je la ferai parce que c'est un vrai plaisir à faire. On l'est sur l'envers là. Ouais. C'est un vrai plaisir à faire cette couverture. Et là, j'ai envie de crocher. J'ai fait pas mal de d'aiguilles, de tricot à l'aiguille ces derniers mois. Et je me rends compte que le crochet, ça manque et je vais leur faire une couverture parce que là, ça manque. Là, c'est du crochet. Et ça me manque. Ça manque. J'aime vraiment ça. Donc voilà pour la dernière couverture, enfin la couverture. Non mais c'est vraiment chouette parce que c'est un modèle qui est à la fois fantasy et sobre. Là aussi parce que tu as choisi cette laine de cette couleur, mais ça fait très masculin. C'est vraiment. On hésite quelquefois à offrir de se crocher à un garçon, tu vois. Mais elle est sobre. C'est un truc de mamie. Et là, pas du tout. Ça fait pas du tout un truc de mamie. Oh, ça non, mais je l'ai éduqué depuis le temps qu'il me voit crocheter. Non, mais ça fait pas du tout un truc de mamie. Non, ça, je suis bien d'accord. Ouais, c'est assez. Et en uni. Par contre, j'ai vu des modèles déclinés en plusieurs couleurs avec des carrés de couleurs différentes et j'avoue que j'accroche moins. Ouais. Ou alors, j'ai pas trouvé les couleurs qui me convenaient, l'agencement de couleurs qui me parlait, peut-être, je sais pas. Mais personnellement, je le préfère en uni. Je trouve que ça met davantage en valeur les différents points. En uni, finalement, en multicolore, finalement, on s'attache aux couleurs et beaucoup moins aux textures. Alors que là, on voit vraiment bien les carrés avec les motifs différents, alternés par ces granits qui, finalement, ça unit un peu le tout. Oui, c'est une répétition régulière, les granits, et du coup, ça donne... non, c'est vraiment super. Modèle est en anglais. Je l'ai traduit il y a quelques années en français lorsqu'avec mon amie Anne Tissia sur les réseaux sociaux
Tessia, on animait des ateliers crochets en Vendée, qui sont un peu entre parenthèses en ce moment. Et on était avec des copines qui étaient un peu déboussolées par les explications en anglais. Donc je l'avais traduit en français. C'est un modèle gratuit, donc si je l'ai toujours à disposition. Et donc, c'est la deuxième que tu fais. C'est la deuxième que je fais. Et là, tu l'avais fait uni aussi. Et je l'avais fait aussi. En uni aussi, oui. Et je pense que j'en ferai une troisième. Elle me plaît beaucoup. Alors, on va continuer sur l'ouverture. Parce que là, attention, alors là, par monument. Contre, on n'est pas du tout dans les couleurs sobres. Ah, mais trop belle. Il s'agit de la fameuse couverture de Jules, avec toutes les laines que vous m'avez offertes. Alors, on continue avec les cadeaux. Hein. Mm. Il y en a qui vont se dire, bon, toi, c'est là qu'elle est déchirée. Ah, on a accroché, il y a eu un petit accident, parce que forcément elle a déjà servi, mais voilà, tu récupères les mailles, faut que je récupère les mailles et que je referme le centre. Donc voilà, c'est avec toutes les laines que vous m'avez offert pendant les vœux, les nœuds, l'année dernière, donc elle a servi déjà, et je peux vous assurer que l'acrylique c'est chaud, parce qu'il y a beaucoup, il y en a un petit peu en laine, mais c'est que, il n'y a jamais de pure laine, c'est toujours des mélanges, et j'ai beaucoup de carrés qui sont en acrylique pur. Et voilà, et donc c'est exactement les couleurs de Popo, de Jules. De Jules. Ah, mais elle va, tu peux, hein, tu peux te tromper si tu voilà, veux lire bien, si elle me convient. Et voilà, donc merci beaucoup. Et je me suis régalée, je faisais des carrés. Alors c'était drôle parce que j'emmenais 3-4 pelotes quand on partait en voiture pour des petits trajets. Et donc Frédéric, mon conjoint, il disait... on va à Niort, c'est combien de carrés? C'était pour compter plus en kilomètres. Alors je disais, à Niort, il faut que j'emmène 6 plots, je vais faire 6 carrés. Bon, et voilà. Donc ça, ils ont vraiment pratiquement tous été crochetés en roulant, en voiture. Et bon, alors moi je fais du granit simple, hein, parce que mes talents de crocheteuse sont quand même très limités. Ah, non, mais pour ce modèle-là, de toute façon, justement là c'est la couleur que l'on met en avant, donc il faut des modèles. Et merci à Vinciane qui m'a suggéré, parce que je ne savais pas, j'étais partie pour faire un tour en violet, parce que les petits placards de Jules sont en liège, pas en violet. Et Vinciane m'a dit, mais il y a beaucoup de blanc dans Jules, il y a tous tes rideaux à fleurs, tout le fond est blanc. Et elle a eu absolument raison, parce que du coup, c'est bien. Comme ça. Merci, Vinciane. On la déplie un petit peu pour montrer davantage. Bon, on ne pourra pas tout faire rentrer dans la tablette. Hein. Voilà. Ça donne à peu près ça. Voilà, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Allez, excellent, j'adore. Ah, j'adore. Ça va très bien avec tes rideaux. Et voilà, et donc, elle est dans Popo aujourd'hui, mais autrement, elle habite dans Jules et. Et on est très content de la trouver parce qu'on a campé la semaine dernière et on avait la couette et ben ça par-dessus, c'était très utile parce que la nuit, il faisait très frais et c'était quand la fraîcheur était revenue. Et... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tu sais combien elle mesure? Elle est grande, hein? Elle doit faire 1m40 sur 1m70. 1m40 par 1m70. Chose comme ça. Grande. Je pense que je vais rajouter une rangée parce que 1m70, quand on dort, c'est parfait. C'est parce que comme on rabat le haut où il y a les oreillers. Mais quand je ferme le lit de Jules, je trouve qu'on voit un petit bout d'oreiller au bout et c'est pas top. Je trouve qu'on a l'impression qu'elle est trop courte, alors je vais peut-être rajouter une rangée. J'ai encore de la laine pour ça. Donc tout va bien. Tu peux, hein? Ouais, ouais. Un joli projet. Alors, à moi. Allez, on change de registre. Ah là là. Voilà un pull que j'ai fait dans l'été, que j'ai eu la chance de faire en test pour même les anges tricotes. C'est le pull Johanna. Peux-tu m'approcher un petit peu? Tu vois, la couleur n'est pas tout à fait la bonne, c'est pas grave. Oh, c'est pas, la carte est pas mal là. Oui. C'est pas mal. Johanna qui est sortie fin août. Il est sorti fin août, voilà. Donc, vous pouvez trouver sur Ravelry et que je trouve vraiment très 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 beau, de détails. Il y a cette dentelle feuille, enfin guirlande de lierre et feuille ici qui est vraiment très jolie. Ce que j'ai adoré sur ce modèle, c'est un détail mais qui a toute son importance, c'est que pour construire le... Je ne vais pas dévoiler, je pense, de secret, mais pour construire le col, il n'y a pas de rang raccourci. Ça se fait tout simplement
vraiment dans la dentelle. Et alors ça, j'ai trouvé ça super, parce que les rangs raccourcis, finalement, ça fait peur. C'est pas compliqué à faire, mais à chaque fois que je vois un rang raccourci, je me crispe. Et en fait, voilà. Donc là, il n'y a pas de rang raccourci. Ça se fait avec l'effet de la dentelle. Donc voilà, un bandeau jusqu'en bas. Voilà. Des coups de torse. Et puis, des coups de torse. Et puis sur les manches... Oh, j'ai pas envie de l'enfiler parce que vraiment il fait chaud. Il fait vraiment chaud, mais sur les manches, il y a cette petite, ce petit filet de dentelle. Qui m'ont... Bon, alors je vais mettre vite fait, vraiment vite fait pour vous montrer. J'ai mis des photos sur Instagram, mais tout le monde ne voit peut-être pas Instagram. Moi, je l'ai rallongé d'un motif en bas. Ça commence par le haut et se finit donc par le bas. Je l'ai rallongé d'un motif parce que je le trouvais un petit peu court pour ma grande carcasse. Je vais le positionner. Voilà, la dentelle part vraiment des côtes, juste après les côtes, et jusqu'au bas du poignet. Et donc ce motif devant, répétitif, mais qui est tellement agréable à faire, on a envie d'aller, ouais, d'accéder à la feuille suivante. Oui. Et un dos tout jersey. Très très chouette. Vraiment, et puis Laetitia est hyper, donc même qui se cache derrière, même les anstricotes, c'est Laetitia. Elle est extrêmement disponible pour répondre à toutes questions. Et puis je trouve ces designs... vraiment, je l'enlève tout de suite, il fait très chaud. Donc j'ai utilisé la laine. Trois écheveaux de laine que j'ai teinte. C'est la laine 100% alpaga Lily Neige, la figurine 300... Non, Mérino, bien sûr. Mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et il me reste... pas grand-chose. Vraiment trois écheveaux pour ma taille qui correspond à... Ah, j'ai fait laquelle ? En tour de poitrine, 98 je crois. J'avais dû prendre la taille 98. J'avais peur que ce soit un peu juste parce que je suis fine mais je suis grande. Donc finalement, il me faut quand même un petit peu de largeur quand même. Et en fait, il était parfait. Je pense que j'ai hésité. Ah là, la couleur, 103, la couleur est bonne là. Ouais. Voilà, la couleur est bonne, c'est magnifique. Tu as teint ça. Donc j'ai teint, c'était ma toute première expérience. Tu nous avais montré les écheveaux quand tu nous avais teint. Je l'avais montré, parce qu'il y a longtemps, je l'ai teint. Enfin, il y a longtemps, c'était ma première expérience, il y a bien un an. Il y a bien un an que je les ai teints. J'avais commencé par les teindre avec de l'oignon, ces trois écheveaux. Et j'étais assez déçue. Disons que le rendu me paraissait un peu terne. J'avais déjà expliqué, je crois. Donc, j'avais refait une surteinture au curcuma. Et du coup, alors là, je crois que c'est plus trop terne. Hein. Non, c'est vraiment... vraiment j'arrive pas à dire quelle... Illuminée. Quelle couleur... c'est presque plus foncé sur la tablette. Par ici. Regarde, tout à l'heure, on était bien là. Là, c'est bon. J'arrive pas à dire. Oui, curcuma, en fait, c'est la couleur du curcuma. Comme toute teinture naturelle, ça change, mais tellement en fonction de la luminosité. En pleine lumière, il paraît presque jaune. Les photos que j'ai mises sur Instagram et Ravelry, il est plus jaune finalement que noisette. Là, il paraît presque noisette. Noisette lumineuse, on va dire. Enfin, bon, voilà. Donc, j'étais dubitatif, franchement. Quand je l'ai commencé, j'assumerais pas cette couleur. Et en fait, plus il avançait et plus j'avais de compliments aussi, donc du coup ça me faisait aussi extrêmement plaisir, et je me disais que finalement et je le mettrais, ça, je vais pas dire que j'attends le froid avec impatience, ça risque pas, mais je sais que avec grand plaisir que je le mettrais, les températures baisseront suffisamment pour que je puisse le porter, tant pour le design que pour la couleur que pour tout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, faites-le. Mais moi, quand j'ai vu, il est super, quand j'ai vu la... Parce que Vinciane, c'était un test secret, et oui. Vinciane,
que j'ai croisée, elle n'a pas montré, hein, je peux vous assurer. Mais quand j'ai découvert, comme tout le monde, sur Ravelry, j'ai couru sur Ravelry, sur l'endroit pour acheter. J'ai acheté le patron immédiatement quand j'ai vu sa version, parce que vraiment, je la trouve... Mais il y a plein de jolies versions, mais la tienne est particulièrement jolie. Ça rend vraiment... Parce que tu la vois... La vois en vrai. Non, mais quand je l'ai découvert, c'était sur tes photos d'Instagram. Ah oui. Donc, non, je ne l'avais pas vue en vrai, mais je trouve que la tienne est particulièrement jolie. Non, très chouette. Bravo. Voilà, un joli. Enfin, je vous encourage à aller voir un petit ce que fait Laetitia, même Les Anges Tricotent, qui a déjà fait quelques designs, qui produit, mais. J'ai fait un test de chaussettes pour elle. Je ne pourrais jamais vous les montrer parce que c'était des tailles enfants. Et comme je voyais la petite fille à qui je l'ai destinée au mois d'août, j'ai fait les photos avec elle et le patron va sortir tout bientôt là. Et du coup, je les ai données. Donc, je ne pourrai jamais vous les montrer, mais il va y avoir un très, très, très joli patron de chaussettes qui va de la taille enfant à la taille adulte qui va sortir bientôt. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ça. À toi. Alors, moi, je reviens en couverture. Encore une couverture, il fait chaud, mais c'est la journée des couvertures. Il y a la journée des associations, la journée... et ça, je découvre. Ah oui, c'est pour le bébé d'Amélie et Manon qui va naître très bientôt. Donc, c'est une baby blanquette. Alors, je vous montre. C'est mignon. Voilà. Elle est belle. Très, très sympa. Que j'ai tricoté avec de la laine Fonti que j'avais acheté à la filature, mais sans étiquette, donc je ne sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est, j'avais vu que c'était peut-être là, ah bah ça y est, j'ai oublié, bon bah tant pis. Et je l'ai tricoté en double et en 5,5, donc ça quand même, elle est en double, et ouais, en double et en 5,5, et je pense que c'était l'équivalent d'une Dike à l'origine. Et le modèle, c'est un modèle gratuit qui a été designé par sur Instagram et sur Ravelry, tout en fouinesse, on vous marquera tout, hein, et qu'il a fait pour son bébé Marius, donc ça s'appelle la Marius Baby Blanquette, et qui offre généreusement le tuto de cette couverture qu'elle a inventée pour son fils. Donc, et j'ai fait le mouton, je l'ai fait de la même couleur parce que quand j'avais vu son modèle, il était rouille comme ça, et c'était trop beau, et j'avais la même laine, enfin la laine, la même couleur. La même couleur, et, ouais, elle est chouette, hein. Et voilà, donc la Marius Baby Blanquette. Donc c'est, hein, c'est le podcast des couvertures. Prépare l'hiver. Moi j'adore vraiment. Et je crois que les mamans aussi. Elles l'ont vue. Ouais, elles l'ont vue. Pas... Elles n'ont pas pu l'emporter parce que je dis, ah mais non, il faut que je la garde. Enfin, je la monte dans un podcast. J'ai rien pu leur donner de ce que j'avais fait. Allez hop, on enchaîne. Ah ben oui, tu ne l'as pas vu en vrai. Ben non, je ne l'ai pas vu en vrai. Mais non, mais oui. Mais cachotière. Mais j'ai cachotière parce que là aussi, c'était un test. C'est le châle Aella. Alors, je voudrais bien montrer. Voilà. Aella de Le Nid de la Linotte, qui vient juste de sortir la semaine dernière, je crois. Qu'elle vient juste de sortir. De sections de jersey et de sections de points texturés, dentelle. Comment il s'appelle ce point? C'est très joli. C'est comme des étoiles. Hein. Oui, je sais pas comment il s'appelle. Il fait comme des petites étoiles. C'est très joli. On va voir peut-être la transparence. On a du mal à voir. J'ai fait un gros plan que j'ai mis sur Ravelry. Sur Ravelry. Du motif. Linotte est très créative, hyper productive. Donc ce châle, elle le propose. Il commence par ici. Oui, il se commence par ici. Oui. Avec un. Ah, comment ça s'appelle ça? Oui, le garter tab. Ouais, c'est ça. Comme ça, je crois. Hein. Et t'as réussi à pas avoir de bosse, toi? Moi, je l'ai fait une fois. J'ai eu une bosse. Parfait, toi. Je sais pas. Tu bosses là. Ouais, ouais. Ah non. Ah non, c'est bien. Tu vois, c'est bien. C'est bien plat. Donc il est proposé. En bicolore comme je l'ai fait là, mais elle l'a fait en version marinière. J'adore sa version marinière. Parce qu'en plus là il y a le point texturé ici, et puis là c'est du jersey sur le bout du triangle là.
à chaque rang. Donc en plus, c'est la texture dans la texture. Mmh. C'est super chouette. Hein. Tu n'as pas t'ennuyé à tricoter ça? J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Donc il est triangulaire et à la fin, on fait des rangs raccourcis pour l'élargir un petit peu, pour éviter d'avoir quelque chose de trop long, mais d'avoir des bouts qui tournent bien, qui sont suffisamment longs pour mettre autour du cou. Donc là, voilà, on voit le bord en rang raccourci. Ben, je vais le refaire en marinière, en version marinière, comme elle l'a fait rayer. Donc les rayures sont dans les parties, parties jersey. J'aime beaucoup sa version. Il y a Maori 58, c'est ça ? Marianne, oui. Marianne, qui l'a fait également en bleu. Version, bien sûr. Oui, en Marianne, en version marinière, et ça lui correspond, ça lui correspond tout à fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'enversion. C'est très facile, très fluide. Les explications de Marie, c'est pareil. Puis très présente aussi pour répondre aux questions. Et là, c'était pour un test, mais même en dehors de ça, Marie est hyper réactive. Enfin, Marie, moi, elle m'épate. Marie, elle travaille, elle est enseignante. Elle a 4 enfants, elle crée des designs, elle fait énormément de choses. Elle crée des patrons, elle fait du crochet, elle coud, elle tricote, elle... Voilà. Elle a 2 mains. Elle a peut-être le don d'ubiquité. Je ne sais pas. Elle est hyper créative et elle m'épate. Donc là, elle aussi, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Je n'ai pas parlé de la laine que j'avais utilisée. Donc c'est la Chip Shop. Voilà, les deux. Alors celle-ci, bon, je ne sais pas pour montrer la... Bon, on voit la transparence, alors il n'est pas si transparent que ça. Hein. Celle-ci, c'est le coloris couleur jaune. Non, je pense qu'il faut avancer et me montrer surtout l'écran. Ouais. J'essaye de voir. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors très celle-ci, bien, la plus foncée, c'est la Chip Shop Fairy, c'est-à-dire qu'il y a de la stellina, elle a un effet brillant qu'on ne voit pas là. La stellina bronze. Coloris tour, alors ça je l'adore. Ça m'a été offert, cet écheveau m'a été offert, j'ose vous le dire, Noël il y a bientôt 3 ans. Et j'étais tellement en amour avec ce coloris que il était toujours en écheveau et dans son enveloppe parce que je voulais pas qu'il s'abîme, parce que je voulais pas l'abîmer en tricotant quelque chose ou en crochant quelque chose qui allait pas forcément me plaire et être à la hauteur entre guillemets de ce que j'en attendais. Et puis ça, c'est également de la Chip Shop, donc la Lovely. La Lovely, c'est... Il y a du cachemire dedans, je crois, la Lovely. Ouais, non, soit mérino, soit cachemire. Ouais. Voilà, pas mal. Que j'ai teinte avec Cindy lors d'un stage teinture il y a 2 ans. Que je gardais aussi précieusement, sans avoir eu idée de les agencer ensemble, les deux. Et là, lorsque Marie a proposé son test. Il y a des petits spicules. Ah ouais, orange. Ah si, là, voilà. Il est chouette. Voilà, on voit des petits spicules orange. C'est très joli. Il est vraiment joli. Alors, je ne m'en vois pas du tout. Si, tu peux. C'est parce que Cindy m'a tenu la main pour ce coloris. Je savais ce que j'avais envie d'essayer de faire. En tout cas, elle m'a beaucoup aidée à le faire. Et lorsque Marie donc, a proposé ce design-là, eh ben, ça fait tilt. Je les avais dans mon stock, hein, les deux, hein, mais je ne les avais pas mis côte à côte en me disant je peux en faire quelque chose. Et j'aime beaucoup. Enfin, moi, ça correspond tout à fait à mes goûts. J'aime beaucoup le fait d'avoir assemblé ces deux couleurs. Ça me... Oui, vas-y, montre-nous ce que j'allais te demander. Un petit peu. C'est bien, il ne fait pas chaud. Sur fond noir, on voit vraiment pas grand chose. voilà, il y a de la longueur quand même, trop non plus, ça traîne pas par terre. Bon, ceci dit, avec 1m75, ça devrait aller, mais. Voilà, suffisamment pour bien couvrir cet hiver. Quand j'aurai froid, il n'est pas épais, puisque c'est de la fingering, donc il passera bien sous mon manteau pour me ficeler par-dessus. Il est chouette. Ouais, il est beau. Enfin, moi, il me plaît en tout cas. Et puis, il est doux. Oui, c'est super doux. Hein. Bah oui. Surtout celle-là, là. Bah oui. On le sent hein, quand on passe. L'autre est très douce aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais quand on passe sur la
mérino sur la cachemire, quand et même. Oui, l'autre, c'est que du mérino. Voilà, c'est très doux c'était aussi. C'était que du mérino. C'est très doux aussi, mais quand on passe, on sent vraiment qu'il n'y a pas la même... ça va être très agréable à porter. Ouais, il me plaît beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est comme des couleurs automnales. Hein. Regarde avec ton pull, ça va super bien. C'est vraiment, on prépare l'automne, mais, même si l'automne, c'est vraiment une saison que je n'aime pas. Ça va très bien ensemble. C'est une saison qui me déprime, ouais. L'automne. Je sais que tout le monde attend l'automne. Non, tout le monde, moi aussi, ça me déprime. Les jours raccourcissent, on va vers l'hiver, on va vers les arbres qui vont devenir tout gris, tout nu. Je déteste ça. Et le manque de luminosité. Ouais. Et là, moi, je revis depuis 3 jours. Depuis 3 jours, on a de nouveau du soleil, du beau temps, de la chaleur. Alors, désolée pour celle qui travaille. Je retourne à la plage. Et j'ai vraiment l'impression de revivre de cette lumière que nous donne le soleil et le beau temps. Alors qu'on était rentrés dans une phase là où déjà il fait nuit beaucoup plus tôt, mais il faisait gris, donc il faisait nuit encore. Enfin, dans les maisons, on allumait la lumière. Et... Ça a duré peu de temps, hein, finalement, cette baisse de lumière, ça température. Ça a suffi à me plomber, me disant, oh là là, ça y est, c'est l'automne. Non, moi, à râler, quoi. Et là, qu'est-ce que c'est bien, il fait beau. On profite, on va dehors, on mange dehors. Ah, Allez, à toi. Alors, toujours dans le cadre du cal Vive le vent d'hiver de Cookie la Guerrière. Donc ça, c'est un cal, tout à l'heure, je n'ai pas dit de quoi il s'agissait, elle l'avait déjà fait l'année dernière. C'est un cal qui consiste à tricoter des accessoires, donc des gants, des mitaines, des bonnets, des écharpes, des châles, des chaussettes. En gros, c'est ça, d'hiver. Et oui, parce que la string en laine, ça ne marchera pas. C'est pas le but. Vive le vent d'hiver. Et donc, moi, j'ai tricoté un modèle qui est aussi gratuit sur Ravelry, qui s'appelle les mitaines Cloudburst d'Ariane Gray. Je regarde mes notes parce que j'oublie tout le temps son nom. Et je les ai tricotées toujours avec la laine. Ben voilà, là, c'est bien. Lily Neige, Merino Yak, Merino Alpaga Rami. La même laine que les chaussettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc voilà, c'est très agréable à porter. Et alors, je les ai fait un petit peu longs parce que moi, j'aime bien cacher mes doigts dedans quand il fait froid. Et puis souvent, je mets j'ai pas de moufle, mais je mets des sous-gants de jogging dedans et je mets ça par-dessus. Et voilà, donc je les aime beaucoup. C'est une dentelle qui est très agréable à réaliser et qui rythme le... qui rythme le tricot, et comme il n'y en a pas beaucoup de répétitions, en fait on le fait très vite. Ça, on a envie de faire comme toi la dentelle suivante, sauf que c'est sur une petite, il y a 56 mailles, donc ça va très très vite. Hein. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7 répétitions, donc 3 avant le pouce, 4 après, et ça va super vite. Elles sont super bien expliquées, alors vraiment zéro souci, très très bien. Vraiment, je vous les recommande, le modèle est gratuit. Donc Lily Neige c'est de la Lily Neige, donc ça rentre dans le cadre Vive le vent d'hiver et ça rentre dans le cadre du cal local de la toute mignonne qu'on adore, Camille Depan, et qui consiste à tricoter des laines locales où elle a un peu augmenté son cal et un patron d'une créatrice française. Donc moi, j'avais ce patron-là que j'avais envie de faire. Donc, ce n'est pas une créatrice française. Ça n'a pas d'importance. J'étais très contente de participer à son cal parce que, Camille, on l'adore. Oh, quelle adorable petite nana. Quelle adorable nana. Voilà, si vous ne connaissez pas, courez lire, écoutez son podcast, Camille Depan. Regardez sa page Instagram. Enfin, elle est très chouette. C'est une jeune femme qui vient de créer son futur mari, une exploitation d'élevage de brebis et qui veut maintenant commencer à valoriser sa laine. Donc, ce sera de la laine très rustique, hein, bien sûr, ce sera pas. Mais voilà, et elle est pleine d'énergie, pleine d'inventivité, pleine d'enthousiasme et à la fois pleine de douceur, de gentillesse. Enfin voilà, elle transpire tout ça dans ses podcasts. Adorable. Et je pense que c'est unanime le ressenti qu'on a avec Camille. Donc voilà, allez faire ce cal aussi parce que vraiment on peut tricoter des petites choses. Et... C'est jusqu'au 15 décembre, non 15 septembre, 15 décembre, ou 1er septembre, 1er décembre 1er septembre,
Ça, c'est long quand même. Oui, voilà. On a vraiment le temps de tricoter des choses. À vérifier pour la fin. Je ne sais plus. Eh bien, en projet fini, moi, c'est tout. C'est fini. Ah, ben, moi, c'est pas fini. Mais non, mais c'est pour ça, on compte sur toi. C'est pas fini parce que je vous ai parlé du bébé qui allait arriver. Ah là là. Et donc, je continue. Je l'aurais tricoté après, c'est bête, ça rentrait encore dans le cadre local, mais local, il n'y a qu'un seul projet à rentrer. Oh. Et donc, j'ai tricoté. Oh, c'est trop chou. C'est trop mignon. Le petit dent de lion. Un petit, oui. De longue avec un as, c'est du 6 mois. C'est mignon. Et alors, dans une super... Oh, vous voyez très bien la couleur. Je suis ravie que vous voyez la couleur. C'est de la laine, la diquée, donc c'est la base gros chêne de Carole Bricole, pomme de laine, et la couleur comète. Donc, c'est super, c'est bien dense, bien chaud. C'est un diqué épais, très 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 chouette. Parce que j'ai tricoté en 3,5, donc du coup, elle est bien, bien dense. Et ça va faire un petit gilet bien dense, mais souple. Quoi. C'est pas carton, oui. Il ne va pas être coincé avec les bras comme Et bon, un petit bébé qui va naître dans le nord, donc il fait quand même un peu plus frais que chez nous à La Rochelle. Et puis, bah, comme il restait, j'avais deux échevaux. Comme il restait de la laine, et puis qu'il y avait le modèle du petit béguin dans de lion aussi, c'est trop de longue avec Anna, bah j'ai fait le petit béguin, voilà. Alors c'est sympa parce que c'est un petit tie-cord qui fait le petit nœud, donc c'est très élastique et c'est très... Ah dis donc, tu ne vas pas l'essayer celui-ci. Non, celui-là, je ne vais pas l'essayer parce que c'est la taille 3-6 mois. Pour le coup, le béguin est un peu plus petit, mais je pense que le gilet, je ne l'ai pas bloqué exprès pour que du coup, pas l'agrandir et qu'il reste un peu petit pour aller avec le bonnet qui est... Ça, c'est 6 mois et ça, c'est 3-6. Donc, je me suis dit, voilà, je ne vais pas le bloquer. C'est adorable. Et puis, ben, il reste encore de la laine. Et alors là, je suis désolée parce que c'est un tuto des petits bottons. Ce n'est pas vraiment des chaussons, c'est des petits bottons. Mais alors j'avais recopié ça et j'arrive pas à retrouver, je sais que c'est gratuit, j'avais trouvé ça mais il y a longtemps que je l'ai dans mes trucs et j'ai imprimé, j'avais dû prendre ça sur un blog peut-être et j'ai pas les références, j'ai rien, donc voilà, c'est des petites bottes, mais là, par contre qui elles sont, pour le coup ça ira pas avec parce que quand je vois la longueur du pied, là on n'est pas dans du 3 mois, c'est clair. Tu sais, pour mettre par-dessus le pyjama, ouais. il faut un peu de... Oui, c'est vrai, ça pourrait aller par-dessus autre chose. Voilà. Ouais. Donc, quand ils dorment, ils remontent leurs petites jambes et du coup, les pieds remontent dans le pyjama. C'est bien d'avoir quelque chose pour maintenir au niveau de la cheville. Ouais. Donc, ça peut... En tout cas, ça te fait un ensemble... Oh, c'est mignon, c'est adorable. Voilà, trois petites choses. Adorables. Et voilà, c'est choupinou. Ouais. Oh. C'est agréable de tricoter de la layette, hein, parce que quand on s'y met, ça va vite. Parce que ça va vite. Hop. Projet fini, c'est fini pour moi aussi. Oh. Et on est à 54 minutes. Ah. Oula, ça va être long à charger. Alors, cette affaire encore. Les encours, pff, j'ose pas vous le dire. Le lichen, toujours pas fini. Mais montre-toi. En fait, le lichen, oui, oh, bah, en fait, je l'ai pas touché. Peut-être depuis le dernier podcast. En 3 mois, si, t'as dû le toucher. Bah... On avait tourné début juin. Non, au mois de mai. Mai, hein. 15 mai. Attends, je l'ai écrit. Ah oui, il y a 4 mois. Bon, 15 mai. Il y a 4 mois. Bonjour, plus ça. Bonjour. Donc en fait, je ne sais plus où j'en suis. Parce qu'il y a une... Ah oui, c'est une chose. Il y a une éternité que je l'ai sortie, donc... Ah oui, je m'en rappelais pas. Oh bah ça fait gling-gling. Il est bien froissé, hein, tout. Et puis sans le renfermer. Donc en fait, il n'a pas bougé, pour rappel. Donc le lichen de Nadia Crétin-Léchène. Tout jersey... avec cette superbe torsade qui se prolonge donc dans le raglan devant et derrière et qui se prolonge sur le côté et qui normalement s'en va en s'évasant sur les hanches et moi je vais le faire droit, je vais pas le faire en s'évasant, je le fais droit, c'est décidé. Voilà, et j'en suis là, il n'a pas avancé depuis un moment. Non, j'ai pas touché. Mais comme là, j'ai terminé, j'ai tout terminé. Mais t'as envie de crocheter. J'ai envie de crocheter, mais ça n'empêche que...
Ça n'empêche que celui-là, j'ai très envie de le porter aussi. Et que là, c'est un peu plus la saison. Ceci dit, le reste, c'était du mérinos aussi. Mais enfin, voilà. Et là, tu as décidé ce que tu allais faire avec celui-là? Non? Non. Non, c'est caché. On n'en parle Non. pas. Non, non, c'est caché. Enfin, c'est caché, c'est tout. Oui, c'est caché. Non, 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 là, je ne vais pas m'étendre plus parce que j'en ai déjà parlé sur les précédents. Le précédent, peut-être même les deux précédents, je ne sais plus. Épisodes. Donc, à suivre. Il faut qu'il soit fini pour le prochain. Comme on aura Waouh! froid, je le Oh porterai. oui, ça sera au minimum, au maximum, non, au minimum Si on dans 2 tourne dans mois. 2 mois, Donc il fera froid. Novembre. donc il sera fini. Ouais. Mais ce sera peut-être plutôt dans 2 mois et demi. Donc il On sera vraiment verra, on fini. verra. Oui. Non, mais pas d'objectif. On a Alors. suffisamment d'objectifs à se fixer dans la vie. Le tricot, Alors tranquille. moi, comme j'ai plus d'encours. J'ai plus qu'un seul encours. Ah, voilà, Ouais. déjà ça change. J'ai plus d'encours, Et j'en ai ouais, plus parce que qu'un. j'ai fini. Non, mais je n'avais pas. J'ai fini toutes mes petites choses, mes chaussettes, les gants, là, enfin les mitaines, les petites choses de bébé. Et du coup, j'ai ressorti quand même celui que je vous avais montré, que Ah j'avais oui. commencé, le pull, la laine d'Islande. Et voilà. Ah Donc, oui. j'ai fait. Du coup, bah, je m'y suis. Quand on n'est plus que monoprojet, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, quand je vous avais montré, j'étais juste au tout début, Ah, là, moi, de j'avais les commencé couleurs. ça. Et donc là, j'ai fait les 2 manches et ça se rajoute ici. Il y aura un grafting après sous les bras. Pour l'instant, c'est un petit peu bizarre. Et j'en suis à faire le Ça yoke. commence le yoke, là, ouais. Et alors, c'est pareil, il y a un jeu de rang raccourci qui fait qu'on a le dos plus profond que le devant. Mais je commence juste à dentelle du yoke. Hein, donc voilà. Donc, C'est la même que celui-ci. Enfin, ouais, ça commence comme ça. ça commence, Ça hein. commence, mais Ouais. après, il y a tout plein Donc. d'autres couleurs qui rentrent. C'est juste le début qui commence comme ça. Et voilà. Donc, alors, Très bien pour montrer. c'est de la laine islandaise. Papier de C'est de la laine Lopi. Donc, c'est pas pour Vinciane. Moi, ça me va parce que par rapport à, même en tricotant, par rapport à, vous vous rappelez mon gilet à torsade, j'avais l'impression de tricoter de la ficelle. Là, je trouve que je tricote de la laine, hein, quand même. Ça va. Ça n'a rien à voir. Et moi, j'arriverai à le porter sans rien. Ah oui. Même parce que j'ai enfilé la manche pour voir. Et Ah, c'est moi, rugueux. c'est rugueux, C'est rugueux. mais ça pique pas. C'est rugueux. Ouais. Voilà, c'est pas. Mais ça pique. Honnêtement, je trouve que ça pique pas. C'est C'est exactement ça rugueux. le terme. C'est rugueux, donc Qu'est-ce que c'est pas. c'est beau. C'est un rendu complètement différent de. Mais ça pique vraiment pas. Je pourrais le porter sans rien. Alors que je sais plus qui l'a dit dans un podcast. Quand je le tricote, en ce moment, bah, il fait chaud, donc je suis jambes nues. Et par contre, sur les cuisses, la laine me pique. Ouais, plus Et sensible. je tire bien ma robe ou ma jupe pour pas que ça me touche. Alors que là, franchement, bah, c'est pas doux. Hein. Faut pas raconter de bêtises non plus. Hein. Mais honnêtement, ça pique. Je trouve que ça ne pique pas. Voilà. Mais en même temps, un pull aussi épais, parce qu'en plus, quand il va y avoir le yoke, là, ça double l'épaisseur, là. On Voilà. porte forcément avec quelque chose dessous pour pouvoir l'enlever parce que qu'on rentre dans un endroit chauffé, juste c'est trop chaud. Mais c'est trop beau. Ouais, j'adore. Et ça va être Tous les plein, ça faits. va être des couleurs que du rouille. J'aime bien. Voilà, il y a C'est un trop beau. autre rouille, il y a un vert olive. Enfin, ça, voilà, j'aime beaucoup. J'ai complètement pompé sur un des modèles réalisés déjà sur Ravelry dans la liste des projets. J'en ai trouvé un, j'ai dit, ah, mais c'est exactement celui-là que je veux. Donc, j'avais emmené la photo en Islande et j'ai trouvé des laines parce qu'il y avait c'est des numéros, enfin c'est des couleurs et sur les étiquettes c'est des numéros donc pas facile. En combien tu le tricotes? En Est-ce 4 et demi, 4, 4,5? en 4 et demi. Et voilà. Ben voilà, j'ai hâte de l'avoir fini et je pense que c'est vraiment un pull que je vais beaucoup porter l'hiver prochain et le porter avec rien parce qu'on a la chance d'être dans un climat doux donc je peux le porter comme un manteau quoi. À la place avec Ah un autre quelque chose de je peux il est suffisamment ample, il est très ample hein. J'ai choisi de faire la grande taille, une grande taille franchement je vais être à l'aise hein. Je peux mettre un pull en mérino dessous donc voilà, avec rien, c'est-à-dire en guise de manteau, en enfin en guise de guise de manteau veste, oui, d'accord, ok. et avoir que ça Ouais, pour pour bien le montrer. ouais Parce que finalement, pourquoi cacher nos pulls, zut? c'est ça. Et puis il a une construction un peu sympa, il s'évase, ça se voit là quand il est plié, il s'évase sur le côté là, donc il a une construction très féminine et bon voilà, j'ai hâte de la voir. C'est le Tedja de Jennifer Steingass.
qui fait plein de tricots en jacquard, hein. C'est la reine du jacquard, tout de ce style-là, et voilà. Donc voilà, oui, je comprends pas pourquoi la lettre Lopi, voilà, c'est ça, hein. Et il n'y a pas de numéro de couleur, il y a juste des numéros de comme ça, là, et quand on voit les projets, il y en a qui donnent des noms aux couleurs des plots, mais je sais pas où est-ce qu'elles les ont trouvées. Je ne les ai pas trouvés. Et alors, ouais, un truc super avec cette laine, c'est que ma couleur de base, j'ai acheté une première fois dans un magasin en Islande, et après je me suis réfléchi, je dis mais non, mais j'en ai pas assez, comment j'ai fait? Parce que ce n'était pas la même que celle qu'a utilisée la créatrice au départ. Et du coup, je m'étais basée sur son nombre de plots, et après j'ai vu que c'était je suis alors rachetée, mais j'ai pas trouvé le même bas, mais j'ai comparé, il y a zéro différence, c'est toujours la même couleur, j'alterne pas les trucs, je les ai mis à bout à bout, il n'y a pas de différence. Oui, puis comme c'est une laine pas complètement unie, ouais. Il y a du poil de bête, ouais, plus clair dedans, plus, donc du coup... Alors je sais pas si Christine Tricote qui commercialise la laine Lopi en France, là, sur son site Triscott, ouais. Confirmera, ou si c'est moi qui ai eu de la chance, mais en tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas alterné mes plots et j'ai exactement la même couleur de noir, pas gris, très foncé, du début à la fin. Donc, c'est bon à savoir, ça peut servir. Je sais que j'hésiterai pas à recommander un bain différent. Voilà. Donc. Et ça, c'était un sac de Heure Tranquille. Heure Tranquille, que m'avait offert toujours la même gentille copine, Sabrina. Merci Sabrina. On va continuer avec les cadeaux de sac parce que on a été gâtés cet été. Ensuite. En cours, moi aussi, en cours, j'ai. J'ai quelques teintures à montrer, mais on va faire vite fait parce qu'il est quand même. Ça fait déjà une heure. Tu as des projets futurs? Des projets futurs, bah, tu en as parlé tout à l'heure. J'ai envie de tricoter des chaussettes aussi. Ouais. Je rappelle que j'ai commencé. Ah, bah les orchidées, justement. Et justement, les orchidées, ouais. De Marie-Christine Lévesque. J'ai envie de les tricoter. Et ce sera des chaussettes, vraiment des chaussettes de l'amitié. C'est vraiment un sujet qui revient souvent. Parce que je vais les tricoter avec la laine que tu m'as offert pour mon anniversaire. Et que c'est un modèle qui m'a été offert par Sabrina. C'est le podcast Sabrina, en fait. C'est ça. Hein? Sabrina Choupette, Sabrina pour ceux Sabrina qui sort de ce podcast. Ouais. Choupette, oui, Sabrina. Elle est peut-être cachée. Donc, tu regardes en parlant de... J'ai trouvé une paire de choses. Ah, tiens, une paire de choses. J'ai essayé de la subtiliser en la dissimulant, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai envie de tricoter une paire de chaussettes, et en particulier celle-ci, parce que double raison. Enfin, triple, le plaisir de tricoter des chaussettes, de les porter. Oh là là, on est rendu à je ne sais pas combien, quadruple. Parce que c'est de la laine offerte par ma copine. Et parce que c'est un patron offert. Ça brille bien. Voilà. Et c'est super chouette, moi, je trouve. Ça donne. Enfin, vraiment, moi, quand je les tricote et quand je les porte, et ben, c'est pas pareil que celle que je fais avec la laine que je me suis achetée. Où je trouve que ça me fait penser. C'est comme la couverture de Jules. Et même mon chéri, il disait, oh, c'est vraiment trop chouette, quoi. Elle a une histoire, il y a plein de filles qui regardent votre podcast et qui t'ont offert, et qui nous accompagnent dans Jules, quoi. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Alors, ben, moi, mes projets futurs. Alors, j'ai prévu de tricoter dans le cadre Vive le vent d'hiver de Cookie la guerrière. Un bonnet qu'on a super vu l'année dernière, mais que je trouve vraiment trop beau, c'est le Oslo Hat de Petite Nite. Ouais. Et je vais le tricoter avec de la laine encore mêlée de neige. Voilà, qui est très très chouette. C'est du alpaga et lapin angora. Voilà, d'abord, j'adore la couleur. J'avais flashé sur la couleur sur le site. Je trouve que pour un bonnet douillet, ça va être trop bien.
Et puis, bah, pourquoi j'ai acheté ça? D'abord, parce que je sais que c'est des lapins très bien traités, hein, parce que les lapins Angora, ça peut être vraiment une horreur, mais là, là c'est garanti par les Lineiges. Donc, on sait d'où ça vient, on sait le nom de l'éleveur, et c'est des lapins très, très bien traités. C'est l'élevage de Sologne, de Romorantin? De Claire Sevaux, je ne sais pas où il est exactement. Non, parce que comme elle en parle souvent. Et puis, ben moi, j'essaye, alors je sais bien que ça a un coût, je sais bien qu'on n'a pas tous les moyens, mais j'essaye de temps en temps d'acheter à Lilineige quelque chose. D'abord parce que j'aime beaucoup leur démarche, je suis très très admirative de leur démarche. Et je trouve que les filatures françaises disparaissent les unes après les autres. On est très content que le Val Gaudenard vienne rouvrir. Oui, hein. Donc, ça, oui, c'est oui, génial. Oui, la filature de Val Gaudenard. Il va y avoir la filature bretonne qui va ouvrir bientôt. Mais il faut les encourager. Aussi. Alors, je me dis quelquefois, deux places de cinéma, un écheveau. Non, mais voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas tous les mois. Ouais. Donc, vous voyez, je vous ai montré les chaussettes et les mitaines que j'avais fait avec la Merino Rami. Merino Alpaca Rami. Et puis là, j'avais acheté celle-là. Et un jour où j'avais un petit peu de sous, j'en avais acheté pour. J'avais déjà décidé que ça serait pour ce projet-là. Donc j'ai pris la quantité qu'il me faut. Et donc c'est tout prêt, le projet, la laine. J'en ai 3 échevaux de 50 grammes. Le patron. Et je les ai rangés. Voilà ce que j'avais dit. Je les ai rangés. Ouais. Merci Elodie. Hello Tulipe qui est venue nous voir cet été. Et qui m'a très très gentiment offert ce magnifique sac dans un tissu que vous avez déjà vu sur son podcast, si vous la regardez. Allez-y, hein, c'est génial. Il fait plein de choses, du tricot, mignonne, de la couture. Nana, Puis c'est un super sac avec même une petite poche avec fermeture éclair dedans. Enfin, c'est trop bien. Et elle n'en a pas fait un, elle en a fait deux. Voilà. Moi aussi, j'ai le mien. Alors, montre-nous. Mais voilà, c'est avant de partir, je t'ai dit, j'oublie quelque chose. C'est ça, le tourner à l'extérieur, quand on oublie un truc, on ne peut pas aller chercher tout de suite. Tu montreras la prochaine fois. Et je l'ai oublié. J'ai oublié deux choses, et maintenant, ça y est, je me souviens ce que c'est. En partant, j'ai dit à Chantal, j'oublie un truc, je ne sais pas quoi. Parce qu'elle nous a gâtés, on va vous en parler après tout ça. Et j'ai un dernier projet. Alors, c'est encore un joli sac, parce qu'on a une super copine, Sylvaine, qui habite dans le Limousin. Et qui est venue nous voir l'année dernière pour la première fois pour notre pique-nique tricot 2018. Et on a super sympathisé. Et du coup, maintenant, elle est de toutes nos... elle fait partie de la bande. Et elle est revenue... Pourtant, elle n'est pas à côté. Non, elle est revenue cette année. Et j'ai eu le plaisir de l'avoir quelques jours à la maison. Donc, on a encore plus échangé et c'était trop chouette. Et elle m'a fabriqué un sac à projet très grand, très compatible avec Jules. Donc, je suis absolument ravie. Et dedans, j'ai mis, parce qu'elle m'a aidée, je lui ai montré mon stage de laine, et je voulais faire le girl best friend de Lila Lou, Isabelle Kramer, et elle avait le sien, qu'elle a fait justement, qui est très beau, ce qui m'a donné encore plus envie, et je me disais, avec quoi je pourrais le faire. Et donc, elle m'a aidée, on est allé voir mon stock de laine, et elle m'a aidée à trouver les couleurs. Oh, c'est beau, ça. Donc ces deux-là sont de la Madeleine et Philibert, et elle a... C'est des écheveaux qui me restaient de d'autres projets. De la Épinal, ça vient de mon pull à rayures. Comment il s'appelle ? Ravelo ? Non, les rayures en travers. Boising Space. Ah oui. Celui-là, c'est un écheveau solitaire que j'avais acheté parce que j'adorais la couleur lila. Qu'est-ce qu'il est beau ! Et. C'est pas tout à fait la même couleur. Du blanc. Tiens, voilà. Voilà. Si, à peu près quand même. Et puis, et la bonne idée qu'elle a eue, parce que forcément, c'est tous de la laine à chaussettes. Donc, ils étaient dans mon sac de laine à chaussettes. Et j'aurais jamais eu l'idée de prendre une pelote toute bête de laine à chaussettes. Et ce bleu marine va super bien. Oh, mais c'est pour Marianne, ça. Ce bleu marine va super bien. Ça ira très bien dans le Girl Best Friend. Donc, elle m'a aidée à trouver les 3 écheveaux qui vont aller ensemble. Donc, ça, c'est un de mes futurs projets. Quand je vais avoir fini le Telja, là je vais faire donc le bonnet et ça rentrera aussi dans le cal Vive le vent d'hiver de Cookie la guerrière. Et voilà, donc je suis ravie. Vraiment merci Sylvaine parce que tu m'as aidée à sortir quand même mon sac de voyage de laine à chaussettes ferme.
parce qu'elles sont sorties. Fermes. Ah oui, d'accord. Elles sont, bon, non, mais j'ai quand même fricoté toutes les autres, quand même, j'en ai vidé là. Ouais, et ouais. Non, mais ça y est, ils ferment. Donc voilà, dans ce super. Donc, Sylvaine, doublement merci pour m'avoir aidé à choisir les laines et puis pour m'avoir fait ce joli sac. Voilà, c'est trop chouette. Les copines, c'est chouette. Voilà, j'ai plus rien à montrer. Non, moi, j'ai rien à montrer, mais il y a un autre. Un autre modèle de châle qui me tente, alors je ne sais pas si je le ferai tout de suite, ou, mais j'aime bien parler des choses que l'on découvre. C'est le châle Pom Pom Pot de Juliette Williams. Ce n'est pas du tout. C'est un châle triangulaire. Il est sur Ravelry ? Il est, oui, c'est sur Ravelry, c'est un modèle gratuit. Williams, elle a eu l'idée de ce châle lorsqu'elle a vu des mini. Dans une boutique, dans sa boutique, je crois, des mini échevaux avec des couleurs dégradées. Et elle a cherché une idée de comment les utiliser. Et c'est tout simple. Hein, c'est, enfin, voilà. C'est donc un châle triangulaire avec quelques rayures. Allez le voir. Allez voir. Avec quelques rayures, une rayure par couleur. Et au bout de cette rayure, elle a mis un pompon. Après, vous mettez le pompon ou pas, ou un gland, ou. Voilà, c'est super chouette, c'est fun. Alors elle l'a fait très grand, pour moi c'est trop grand cette bavette là devant, mais ouais. j'aime beaucoup l'idée. Et on voit un petit peu mieux là. Et t'as plein de pour utiliser des petits restes. Pour utiliser des restes ou des tout petits, pour utiliser les restes. Je trouve que c'est excellent. Alors voilà, pour moi il est trop grand là. Ouais. Elle l'a fait vraiment très grand. Peut-être moi, qu'elle c'est le trop porte, grand. Peut-être la façon de le mettre oui, aussi. Peut-être hein. La façon dont elle le porte. Elle l'a mis aussi de cette manière-là pour que l'on voit oui, bien toutes les rayures. Parce que tu vois, c'est un grand triangle. On peut le porter autrement. Donc on peut le porter beaucoup plus autour du cou. Ah, très chouette. C'est une idée toute simple, toute rigolote. Après, je ne sais pas si je ferai des pompons, mais peut-être des petits. On appelle ça des glands, je crois. Ouais. Des pampilles. Ouais. Enfin, ah oui, pampilles, serait moins peut-être. Épais pour pouvoir l'entourer, justement. J'aime beaucoup l'idée. Ah oui, c'est très chouette. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, très bon. Une envie. Après, projet à venir, je ne sais pas, mais une envie en tout cas. Hein. La liste de nos envies, hein, c'est ça. Hein. Tu voulais faire pendant un temps le. Avec la laine de chez Cindy, oui, là. Mais oui, mais ça pourrait être ça aussi, tu vois. Ouais. Ça, je ne sais pas lequel des deux. Ils sont différents, hein, tous les deux. Tu dis, hein. Voilà, un châle. Un autre châle, très très connu. Je t'ai fait, moi. Mais oui, tu l'as fait. Mais vous allez dire. Mais là, il va être vraiment différent parce que. Solaris. Ah, Solaris, voilà. Le Solaris, bien sûr. Le Solaris, mais pour utiliser comme ça des restes ou des mini-échoues, c'est une idée également. Voilà, pas que 1h15, je pense que c'est pas mal. Ça, on a fait les projets finis, les en cours, les envies, et maintenant tu as de la teinture. Alors très vite, hein, je donnerai pas de détails. Ah non, parce pas que vite, c'est trop beau ta teinture, tu vas pas faire ça. Alors j'ai utilisé. Oh, c'est de la épaisse. C'est de la laine épaisse. Wow, c'est de la laine de pays que j'avais récupérée en. Je sais pas si c'est envie de... qu'on m'a donné. Oui. Ouais. Et c'est de la laine de. Attendez, vous allez voir l'étiquette vintage que j'ai gardée. Oh. Hein, laine de pays, bergère de France. Donc, on peut dire qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. 50 grammes environ. Le métrage, vous débrouillez. 100% laine de France naturelle. Cale locale, 100% laine de France naturelle. Hein. C'est ça. Donc tu vas faire quelque chose dans le cadre des cales locales. Mais pour moi, ça, toi tu vas trouver ça extrêmement doux, mais pour moi ça gratouille. C'est pas, non, mais c'est pas doux. Mais celle-là, elle pique un peu plus. Je trouve qu'elle pique. Elle a un peu de piquant, mais. L'ortie, là, non, peut-être. Ouais, ça c'est l'ortie que j'ai un petit peu modifiée par la première, par rapport à la première que j'ai faite, puisque j'ai maintenant que je sais qu'on peut jouer avec le pH, j'ai modifié. Ouais, ça fait vraiment vert anis. Alors, c'est pas assez lumineux, pas assez. Peut-être qu'il faut que je me cache derrière. Tu vois toi? Ouais, je trouve que c'est pas mal, moi. Ouais. C'est vraiment un vert pomme ou vert anis. Ouais. Il est peps hein, quand même celui-là. Ouais. Il est vert anis. Ouais. Donc, ortie, tout seul. Là, c'est ortie plus fleur de genêt. Celui-là est plus anis. L'autre est plus vert pomme, je trouve. Ouais.
Ouais, ça c'est une golden. Ouais. Et ça, on est de côte à côte. Ouais. Ortie tout seul, ouais. Ortie, ouais. Il paraît presque trop jaune là. Et ortie, ouais, fleur de genêt. Oh, la fleur de genêt, ça sent bon quand vous la cuisinez. Ouais. Et ici, c'est la ronce. Alors ça, ça sent très bon aussi, étonnamment. Hein, quand ça... La ronce ? Ouais. Tu viens de dire ? La ronce devient jaune comme ça. La ronce est devenue jaune comme ça. Alors là, je n'ai rien ajouté à la ronce. Et ici, hop, la ronce nuancée avec un tout petit peu de soupe de clou de fer. Donc, tout petit peu. Mais les quatre ensemble, c'est super. Pas quelque chose que j'utiliserais vraiment le nuançage au fer parce que je trouve que la laine, elle est déjà rugueuse. Ah, ça, lui, ça l'a. Je trouve qu'elle est encore plus. Non. Non, c'est pareil. Bon, alors non. C'est une impression. D'accord. Elle remet les quatre ensemble. Mais oui, mais tu vois, je trouve qu'à l'écran, on voit pas trop les nuances. Si, regarde. Avance un peu. Ah pardon. Qu'ils soient tous devant la feuille blanche. Si, regarde, on voit les nuances. J'avais fait une photo, ça je l'ai fait en fin de printemps, hein, en juin. Faut que tu trouves un projet. J'avais fait une photo où on voit plus les nuances que là, on les voit. Ah bah finalement. Ouais, ah bah si, finalement. Dans le noir. Ah ouais, finalement, c'est bien. Vert pomme, vert anis, franchement jaune. Ouais, jaune. Alors, et cet été, nous avons organisé des pique-niques. Des pique-nites, oui. Et en juillet, un en août. Ouais. En juillet, il a fait très beau. C'était très bien, on était sous les arbres. Dans les parcs, de La Rochelle, comme d'habitude. Il y en a plein de tricopines qui sont venues avec leurs enfants. Moi, j'avais mes petits-enfants. Mmh. Et donc, ça a joué ensemble. Ça, c'était... Une belle journée, cool. Tranquille. Ouais. On a eu la visite de Karine, Candy Wool. Oui. On a eu, qui c'est qui est venu en juillet de loin ? Sylvaine. Sylvaine, aussi, voilà. Sylvaine donc, Guillaume de Limoges. De Limoges, voilà. Autour de Limoges, le Limousin. Et puis, qui d'autre qui est venu de loin ? Il y en a, j'ai déjà oublié. Le temps a passé depuis. Un camion qui arrive. Avec un petit camion comme ça. Un petit camion, voilà. Ouais, un petit van. Et puis on a récidivé en août et c'est bien parce que quand même il a fait. On est en période de sécheresse et il pleut pas depuis des mois et il a plu une journée dans l'été. Une journée. Le 11 août. Le jour du pique-nique. Le matin, suffisamment pour pas. C'était impossible de s'installer dans les parcs. Il faisait frais, c'était humide, c'était mouillé. Enfin, c'était vraiment mouillé. Il y avait des averses. Ouais. Donc c'était vraiment impossible et donc là ça a été un peu la cata, il y avait vraiment plein de filles qui venaient de loin, qui avaient pris des Airbnb qui... et moi ça m'a vraiment mis la rate au courbouillon comme on dit. Toi ça t'a vraiment rendu malade, et donc moi j'étais en vacances la semaine qui précédait, on je suis revenue juste pour avait, ça ouais. Et t'étais toute seule à me dire je suis stressée par rapport à la météo qui devenait de plus en plus pourrie et puis on n'avait pas de solution de recul et depuis le début on disait s'il pleut ben, on annule. Puis après, je dis, mais ouais, mais il y avait Elodie et l'Otulipe qui avaient pris Airbnb, qui étaient venues avec ses fils. Ouais. Il y avait Mélise, il y avait Sylvaine qui revenait, il y avait Bibounette, il y avait... Ouais. Enfin, excusez-moi, celle que j'oublie là, parce que j'ai tellement... Il y avait Fanny, Fanny, les babelles de Fanny Boo. Il y avait les Angevines, Sonia et Johanna, qui venaient de loin. Et puis, aussi, qu'est-ce qu'il y avait à la maison à côté. C'était plus que ça. Il y avait Hélène, la Casavant. Hélène, la Casavant, voilà. Qui était là en juillet déjà aussi. Qui est-ce qui venait d'assez loin ? Il y avait Céline Zaz, ouais. Enfin, voilà. Il y avait donc, vraiment des visiteuses venues d'ailleurs. Et donc, moi, ça m'a vraiment perturbée parce qu'on n'avait pas de solution. Et finalement, un coup de chance, je suis passée, je savais que l'endroit où on se retrouve pour les tricoter, ouais. Parce que c'était un dimanche le pique-nique, hein. Et fermé le samedi. Enfin, ils partaient en vacances pour 10 jours, 15 jours. Et je suis passée les voir, je leur ai dit, mais pour le dernier jour, vous ne seriez pas ouverte un dimanche. Et ils me disent, mais si, on est ouverte demain. C'était vraiment donc, soulagement. Donc on n'a pas fait de pique-nique, on a fait un tricoté. Quoi. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de déceptions pour les filles qui sont venues. Je ne sais pas si il y a beaucoup de déceptions. Non, mais le pique-nique, ça dure longtemps, on s'installe dehors, on est dans l'herbe, on mange ensemble. Et là, tout ça, ça revenait juste à un tricoté comme d'habitude et ça n'avait pas le côté exceptionnel et avec beaucoup de place pour s'étaler, avec les enfants qui peuvent jouer.
Voilà, Elodie était venue avec ses deux petits garçons qui ont été... Mais ils sont adorables. Adorables. Ils ont passé tout l'après-midi du tricoter. Elle leur avait donné une console et des jeux. On les a... Ils sont jamais venus voir leur maman pour dire on s'ennuie, on veut partir. Mignons. Vraiment, oh. Chapeau. Hein, ils sont ouais. Vraiment trop chouettes. Valentin et Hugo sont vraiment adorables. Et voilà. Donc, du coup, bah, on a fini par manger les spaghettis à la maison pour toutes celles qui venaient de loin. Parce qu'elles oui. avaient essayé de voir, bah, on pourrait se retrouver pour manger ensemble. On s'est dit, on va pas les laisser toutes seules. Donc, mon chéri a fait des spaghettis. Et voilà, on s'est retrouvés vite devant un plat de spaghettis. Quand même beaucoup moins sympa qu'une salade, mais... C'était mieux que d'être dehors sous la pluie. On était bien accueillis. Et voilà. Et du coup, bah, se pose la question de renouveler l'année prochaine. Parce que moi, j'avoue que ça m'a vraiment, vraiment... j'ai vécu une semaine pas bien, quoi. Ça t'a beaucoup de... mis beaucoup de stress. Hein. Ouais, parce qu'on serait contre Rochelais, bon, bah, on annule. Et puis, c'est pas grave, chacune reste chez soi. Mais avec toutes ces... Par rapport à l'année dernière, ça a grossi le nombre de personnes qui passaient par La Rochelle ou qui étaient venues exprès et qui voulaient nous voir. Et je ne pouvais pas annuler. Ce n'était pas possible. Donc, soit on trouve dans l'année une solution de repli et on pourra réorganiser quelque chose. Soit ben, l'année prochaine, il n'y aura pas de pique-nique. Voilà. Ça serait quand même dommage. Ben oui, ça serait dommage. Mais il faudra, voilà, celles qui viennent, celles qui sont venues, celles qui ont l'intention de revenir... ou celles qui ont l'intention de venir, qui disent ah « ben, cette année, je ne pouvais pas, mais j'aimerais l'année prochaine ben, », dites-nous. Dites-nous parce que... Tu sais, j'ai pensé au parc de Moumou, là, où il y a une espèce de grand espace couvert, apparemment. Mais il faut qu'on aille voir. Il faut absolument aller voir, parce que ça peut être une solution de repli. On peut quand même maintenir dans les parcs de La Rochelle, parce que voilà, tout le monde peut venir à pied. Enfin, les personnes qui sont à proximité peuvent venir à pied. Il y a un parking juste à côté. Et puis, voilà, c'est facile quand même. Bon, ceci dit, allume aussi, mais... Et puis, effectivement, si on voit que le temps est menaçant, ou... Bah, on peut... On peut aller, moi, j'avoue que je suis refroidie, hein, parce que j'avais tellement... Puis, je suis vraiment navrée, quoi, pour celles qui ont été déçues. Je sais bien que c'est pas de ma faute. Mais je pense que toi, tu es déçue. Je suis pas sûre que les personnes qui sont venues soient déçues. Ben, je sais pas. Parce que tu as quand même eu la gentillesse d'ouvrir ta porte à toutes les personnes qui sont venues de loin pour avoir quand même ce petit rien, moment. C'était rien. Ben, si, c'était énorme. J'habite juste à côté du parc et bon. Et puis, facile, donc, ça a été un moment convivial. Et puis après, bah, dès 2 heures, on était. On était alors pas à l'extérieur, mais notre petit café Trois Canons est quand même vachement sympa. Comme ça, les filles d'extérieur ont connu le café où on se réunit. Même si on n'était pas situé dans la partie la plus grande de la salle où on devait être normalement, mais il y avait déjà une activité qui était programmée. Enfin, on était quand même. Du coup, on était très proches les unes des autres. C'était très cocooning aussi, ce petit lieu sur les fauteuils bas. Oui, c'est vrai. Tout le monde pouvait parler à tout le monde. C'est différent de ce que tu avais imaginé, programmé, mais je pense que tout le monde a passé... Enfin, ce sont les retours que l'on a eus. Tout le monde a passé un bon moment, donc il ne faut pas que ça te rende... Alors, je comprends qu'avant, la préparation, tu voyais la météo qui se dégradait. Oui. Parce qu'on aurait pu, en fait, annuler purement et simplement, parce que c'est ce qu'on avait prévu. Nous n'avait pas été ouvert. Ouais. C'est ce qu'on avait dit. Vis-à-vis de toutes ces copines qui venaient de loin, quoi. C'était tellement injuste que ça... Mon petit cœur. Je me sentais... je me sentais... Non, mais je comprends, c'est même pas pour toi que t'es déçue, responsable de trouver quelque chose, quoi. Et je trouvais pas. Enfin, c'est vraiment à la dernière minute que j'ai réalisé que les Trois Canons allaient pouvoir être ouverts le dimanche, mais je ne trouvais pas, donc j'étais vraiment mal. Parce que je me dis, mais elles vont venir quand même, elles ont leur billet de train ou leur Airbnb, et je peux pas les laisser tomber Je ne peux pas annuler, alors que je pouvais, parce qu'on l'avait dit dès le départ, il ne fait pas bon, on annulera. Mais non, je ne pouvais plus. Donc, voilà, je ne sais pas quoi faire pour l'année prochaine. On a le temps d'y penser, mais... Voilà. Oui, mais comme d'habitude, tu as su rebondir et tu as trouvé. Aucun mérite. Alors, on voulait parler de nos astuces. Hein. Que j'avais déjà oublié ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, je crois que c'est chez... Je crois que c'est Adeline, la métamorphose d'une aiguille. Je crois que c'est chez elle que j'ai vu ça. Si ça se trouve, c'est pas elle, mais il me semble que si. On va dire que c'est Adeline qui met un fil à Scooby-Doo pour les mailles en attente. Et alors, le fil à Scooby-Doo, mais ça ressemble vraiment au câble des aiguilles. Alors, voilà, moi, je n'utilise que des aiguilles fixes. Donc, du coup, je n'ai pas de câble pour aiguille. Et puis, je pense qu'on n'en a pas un nombre suffisant si on est multi en cours. Enfin, voilà.
En tout cas, moi, j'avais besoin, jusqu'à présent, j'utilisais un fil, un morceau de laine. Mais finalement, mes mailles, elles avaient tendance à rentrer et j'avais beaucoup de mal à relever. Enfin, c'était plus difficile de relever. Mais là, avec le Scooby-Doo, ce qui est génial, c'est que le Scooby-Doo, il est creux. Pour récupérer les mailles, on met l'aiguille dedans et on tire. Bon, délicatement, évidemment, on tire. L'aiguille passe toute seule, se replace toute seule dans la manche ou bas de pull, enfin, peu importe. Et le tour est joué. Enfin, c'est super facile pour essayer. C'est extrêmement souple. Et pour les reprendre, on repasse l'aiguille dedans. Et pour les reprendre, oui, c'est ça. C'était pour les reprendre, même principe. Alors, j'ai deux types de fils à Scooby-Doo. Alors, je n'ai pas acheté du fil à Scooby-Doo. Hein. C'est du recyclage. C'est des fils que les garçons avaient quand ils étaient plus petits. Il y a des sections intérieures de fils qui sont plus étroites que d'autres. Et du coup, j'en ai un. C'est celui-là, je ne sais pas. Dont la section intérieure est trop étroite et l'aiguille ne tient pas dedans. Donc, du coup, ça reste malgré tout quelque chose d'assez rigide, donc on peut quand même plus facilement faire suivre l'aiguille. Mais à essayer peut-être avant, si vous avez plusieurs sections, il y a vraiment des sections plus importantes et plus faciles, du coup, pour mettre l'aiguille dedans. Planter l'aiguille dedans et allez, hop, ça se fait tout seul. Pour l'enlever, évidemment, moi j'ai tiré dessus pour ressortir mon aiguille dedans, ce qui est complètement idiot parce que la Scooby-Doo est quand même élastique, donc quand tu tires dessus, il s'allonge, donc la section intérieure se resserre, donc ça, voilà, bon, c'est un petit truc bête avec l'ongle, vous faites coulisser et puis c'est tout. C'est tout bête. C'est bête, hein, mais c'est bien. Merci Adeline, si c'est bien chez toi. Ouais, je pense que c'est bien chez toi que j'ai vu ça, parce que c'est une excellente idée. Sylvain a vu ça cet été et a adopté aussi la technique. Mais c'est celui-ci qui est plus étroit, je crois. Tout bête, mais tellement pratique. Et oui. Quand on n'a pas de câble, ou pas suffisamment, ou qu'il n'est pas assez long, ou... Voilà. Un autre petit truc. Simple. Voilà. Recyclage. Eh oui, toujours. Recyclage, hein, voilà. C'était l'astuce du jour. Et ben, on a fini. Ben oui. 1h30. 1h30. On va s'arrêter là, hein, parce que sinon, avec la connexion, faut pédaler là pour que ça. Et puis après, c'est maintenant, parce que moi, je fais rien. Moi, je viens faire, je joue devant la caméra, et après, c'est Vinciane C'est moi qui fais tout le travail. Et qui se rache les cheveux, ça charge 96% et faut tout recommencer. Donc merci à toi de faire tout ça je t'en prie. Moi je fais la partie sympa quoi. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Et voilà. Donc on va vous laisser. Merci d'être toujours là. Merci aussi pour toutes celles, encore une fois on vous le dit, mais ça nous touche beaucoup, les commentaires que vous nous laissez, que vous preniez le temps de laisser un petit commentaire, de nous dire ce que vous avez pensé, d'échanger avec nous sur ce qu'on vous raconte, sur les paysages qu'on vous montre, sur tout ça. Et puis, à faire comme Mélise, hein, mettez-nous des petits pouces en haut, puis pas des petits pouces en bas, parce que c'est pas top. Et on en a eu quand même quelques fois des pouces en bas. Et vous avez le droit de pas aimer. Vous avez le droit de pas aimer. Et puis, si ça vous plaît, abonnez-vous, puis appuyez sur la petite cloche. Comme ça, quand il y a un épisode, une fois tous les 3-4 mois qui arrivent, prochain, il sera... Vous avez un petit message qui vous le dit. On est mi-septembre. On va dire mi-décembre. Non. Novembre, ça ferait 2 mois. Ouais. Si on reprenait le rythme de tous les 2 mois. Mmh. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. Toutes les personnes qui regardent et qui, avec beaucoup de bienveillance, comme tu viens de le dire, nous encouragent. C'est super sympa, c'est toujours extrêmement apprécié. Mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, sincèrement. Et c'est très plaisant. Et puis, on est surtout, moi je dis aussi, mais encore je reviens sur le pique-nique, merci à toutes celles qui sont venues. Pas pour nous, mais... De venir sur La Rochelle ou se dire il y a un pique-nique et on y va. Et c'est vrai que nous, on essaye de le faire aussi. On essaye de se déplacer, d'aller aux autres endroits, rencontrer les copines parce que Instagram, c'est bien. Mais de se voir en vrai et de papoter en vrai, de partager un moment tricot, c'est chouette. Et ça vaut le coup de se déplacer. Ouais. Ça s'organise en covoiturage et ça peut se faire. Mais d'ailleurs, le week-end prochain. Voilà. Le week-end prochain, c'est à ça que tu voulais. Voilà, vas-y. Le collectif L'Aisne-et-Loire organise avec
organise une fête, ou se participe en tout cas à une fête, la fête de l'équinoxe, entre Angers et Cholet, à Chemillé en Anjou. C'est dans une ferme, je crois, et il n'y a pas que du tricot. Non. Il y a plein d'activités, il y a des sorties pour cueillir des plantes sauvages, il y a des sorties pour faire des gâteaux avec des plantes sauvages, il y a observation des étoiles le soir, et on peut camper sur place, et on peut se restaurer sur place, il y a une petite restauration je crois. Et toutes les infos sont sur Ravelry, sur le groupe Laine-et-Loire, je dis toujours Loire-et-Laine, moi je ne sais pas pourquoi. Laine-et-Loire, et vous avez toutes les infos, et voilà, nous on va y aller. Oui. Alors, normalement, Popo y va. Oui, j'y vais avec mon chauffeur. Donc, et peut-être que Jules, moi a priori, c'est compliqué parce que j'ai un vieux chat qui ne supporte pas de rester seul, et que le lendemain, on doit aussi être à Niort. Donc ça nous est une absence un petit peu longue. Mais on va voir quand même si on ne va pas venir avec Jules aussi. Mon chéri était assez tenté. Ce serait chouette. Parce qu'il y a plein d'activités sympas qu'il y a. C'est un petit moment un peu hors du temps, un peu... comment on peut dire... je ne trouve pas les mots. Ça va être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quoi. Observer les étoiles, qu'il y a des plantes sauvages, il y aura un clown... enfin voilà, des choses, de la danse, voilà, ça va être un petit peu éclectique, voilà, c'est ça que je cherchais, éclectique, mais avec des tricoteuses au milieu, donc c'est vraiment un moment qui va être, je pense, très simple. Donc peut-être que si vous venez, vous aurez Jules et Popo. Mais en tout cas, nous on y va. Mais vous avez Jules. Vous avez Popo, pardon. Popo sera là, c'est sûr, donc il y aura au moins Popo. Ouais. Et il y aura quand même, Vinciane et moi, on sera là si je viens pas avec... de toute façon, tu y vas pour la journée. Oui, si je viens pas avec Jules, je viens quand même pour la journée. Il y a deux autres tricopines de La Rochelle qui veulent venir. Mm-hmm. Donc, on avait prévu de faire un covoiturage. Elles pourront toujours le faire à deux, de toute façon. Oui. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre. On va en parler au tricoté de mardi. Voilà. Et bien, 1h37, là, je crois qu'on a battu un record. Il va falloir des jours et des jours avant de charger. Surtout que là, j'ai pas l'impression qu'il y a des coupures à faire. Des fois, il y a des coupures. Si, à mon avis, il y a des coupures à faire. On va enlever une ou deux paires de chaussettes. Certainement pas. Non. On vous fait des gros bisous. Oui, à très bientôt. On va vous laisser avant de se dessécher. Au plaisir de vous lire, de vous rencontrer, de... Ouais. L'échange, quoi. Ouais, voilà. Vive le tricot, vive la communauté tricotesque. Thank you.